Sistem ya kuzanguka, da dum. Ge ninge, ge ninge, inge kumgon dişte, ge ninge. nge ninge ninge kungondisa nge ninge nge ninge ninge kungondisa bole bantu buka kan songo nge ninge ninge kungondisa ça s'adresse aux traîtres ceux qui trahissent leur culture ou leur spiritualité ça veut dire nge ninge ninge kungo toi là toi là c'est toi qui va me tuer toi mon proche bole bantu buka kan songo l'union fait la force donc si je peux traduire je dirais deux personnes font un humain. Mm -hmm. Bukakansongo, la solitude est une maladie. Parole de sagesse de la part de Ngangalongi Ta Mutalukayazu. Mm -hmm. Mesdames et messieurs, chers frères, chers compagnes, chers euh, Africains, chers humains, nous sommes euh, en plein dans le système Yakuza Nguka, sur la chaîne système Yakuza Nguka présenté par euh, Mikanzi. et aujourd'hui nous sommes en direct nous sommes venus dans le zikwa de Kayazou. en direct on est venu à la source pour euh, s'imprégner de sa sagesse de sa connaissance de ses enseignements Kayazou, ma vie pima ma vie pita Tanzania Yengi la tata. ok mm -hmm. mais dis nous j'ai vu cet instrument c'est quoi c'est quoi ça c'est c'est une corne, ça vient d'où Comment ça s'appelle euh, Dis-nous un peu, Moutalouka Mundingabeto, dans notre langue, s'appelle Mpoka. Mpoka. Mpoka, les cornes, les si tu veux. Cornes, d'accord. quand ça rend les fonctions artistiques ou spirituelles, il n'y a qu'un De mpou. Ah, ça vient de m'pou, m'pou, m'gou. Voilà, m'pou, c'est le chapeau. Le chapeau, ok. Oui, Mais m'pou, c'est aussi symboliquement ce qui a un pouvoir. Ah. Pourquoi m'pou, ngi M'pou, m'gou. Tous les endos, ça veut dire Dieu. Pourquoi m'pou Parce que nos ancêtres, ça n'a pas appris ça chez les Blancs, mm -hmm. que la communication avait un pouvoir. M'pou, c'est le symbole de ce qui est pouvoir. Wow. M'pou. Après, on ajoute Mpungu, Mpungu, qui est le sang. Mpungu, Mpungu, Nzambia, hein? ça dit mp... Mza, Dieu. Ouais, Mpungu, Dieu. Mpungu, toulé. Nous, on, nous, on peut dire Nzambia aussi, c'est Dieu. Mm -hmm. Maintenant, pour différencier des Nzambia, comme on dit les dieux, mm -hmm. pour parler de Dieu unique, le Créateur, on dit Mpungu, tout et on ajoute Nzambia, Mpungu, tout Dieu tout puissant. Yeah, Donc, ça, ça. c'est Mpungu. Mm -hmm. Mpungui. Parce que la communication est un pouvoir. Et il y a des sons. Par exemple, quand je fais, ça c'est notre son. Avant l'arrivée de de, de des Mindele des Blancs, mm -hmm. c'était parmi les éléments de communication et longuement, on avait le mpungi. Donc les gens savaient des... qui est le tam tam. Le tam tam, mm -hmm. voilà. Mm -hmm. Les gens savaient décoder, décoder ce son-là. Donc, quand ils entendaient ça, ils savaient que ah, il y a quel telle, problème. Il aura appel au village. C'est aussi un annonceur public. Par exemple, si demain ou dans une semaine il va avoir euh, quelque chose au Palais Royal, le, le soir vous avez un annonceur public qui passait. Donc, pour à, attirer l'attention des gens, mm -hmm. il jouait le Mpungi. na quoi Louis cankoyi twanavukana kulumvila yatamwatu kulupango latamwatu kulunzo yatamwatu yata tamasamba, tamalonga, tamwatu voilà. D'accord. Donc c'est mmh. un élément de communication. C'est un symbole de communication. D'accord. Très oui. bien, très bien. On est en plein dans le Boukongo, oui. dans oui. la tradition Congo, la spiritualité Congo, tout ce qui concerne le peuple Congo. Oui. Et alors, Lukayazu, je suis venu vous trouver ici avec. Un tas de livres, beaucoup de livres, je croyais même que c'était d'auteurs différents. Mais en lisant les noms, je vois Zulukaya, La Nervure, Zulukaya Zou, Conte de ma grand-mère, épine d'automne, roman Zulukaya, L'enfant panthère, Conte Sundi, Zulukaya L'onde intemporelle, roman Zulukaya, Wazu, Conte Zulukaya. Et donc finalement, ce sont vos livres et donc vous écrivez. Je suis écrivain, je suis écrivain, donc j'écris des romans, des contes, des pièces du théâtre, de la poésie, des proverbes aussi. Mmh. Et donc euh, depuis euh, 89, oui, 89, quand j'ai commencé à faire le théâtre. Mmh. Avant c'était des manuscrits. Là nous sommes au Congo. Au Congo, au Congo Fois. Fois. Voilà. Brazzaville. Non voilà. Brazzaville, parce que de, moi ça me rappelle des Brazza. Franchement. Ah d'accord. Ouais justement. Ouais, moi ça me fait très très le mal. Le nom hein. authentique c'est Congo voilà. Fois parce hein? que le nom authentique de Brazzaville. C'est une fois. Il faut le rappeler. Parce que si vous allez demander euh, si vous allez demander par exemple aux Juifs est sont capables d'appeler euh, c'est quoi la capitale euh, euh, d'Israël? Bon, c'était la vive où il y a Jérusalem. Bon, bon, la bon, 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 bon. Disons bon, 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 Jérusalem, Jérusalem. qu'on qu connaît tous. Uh -huh. Allez-y dire aux Juifs d'appeler euh, Jérusalem Hitlerville. Hitlerville, ah oui, 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 ça, ça y ressemble hein, hein? à peu près. Plaza bon, les, les gens vont vous dire oh non, vous pouvez pas comparer Hitler et des uh -huh. Mais attention, ils ont tous posé des actes insensés. Uh -huh, uh -huh, uh -huh, tout à fait. Quoique, quoi que, quoi on nous le présente comme un humaniste. Quel euh, humaniste euh, qui a si un traité, machin, ah bon? avec le roi. Mais le non. Non, non, ma C'est euh, oui, cette histoire-là aussi. Euh, c'est une parenthèse. Une hein? parenthèse oui. euh, Parce je sais pas que si le, le, le royaume Congo, déjà, il a même le mot teke. Mm -hmm. hein? Le mot teke, ce sont les blancs qu'il a inventé. Eh, Non, eh, mouta nous mouta les Congos, demandez a les hein? témoins. Les témoins, c'est nous les Congos. Si les teke doutent, ils peuvent hein? il demander à interroger le professeur Dingambong, il vous le dira. On a des, des savants. Donc le mot Teke, c'est les blancs. Avant l'arrivée ok. des blancs, le mot Teke n'existait pas. Nous, on disait Anseke. Nous, on disait N'tseke, Bishin Teke. Parce que est les gens de la savane. D'accord. Et le blanc, avec des oreilles à l'envers par rapport à la linguistique uh, Kongo, ou Kongo, ont entendu Teke. Et ah. c'est ça qui a été retenu. Comme l'homme noir. Symbolise ah. toujours plutôt, prend tout ce que l'homme blond dit, comme, mais il acceptait ça. C'est un peu comme euh, le, mot, euh, euh, le mot Zahir. Zahir qui, Kenzadi. Uh, Kenzadi, c'est-à-dire voilà. le, le fleuve. C'est comme Congo, ils ont enlevé K, ils ont mis C. D'accord, d'accord. Bon, voilà. voici encore des, 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 des révélations, ah. hein, des choses que vous devez approfondir. Hein, on peut pas, euh, voilà. Donc, là, je vois Wazou. Oui. Zou, Lukaya, compte. Wazou. Euh, Est-ce que vous pouvez nous dire brièvement euh, quel type de compte il y a, que vous abordez ici euh Non, c'est des comptes, c'est des comptes. Euh, D'accord. Mais après, on a aussi des comptes initiatiques. Ah des comptes initiatiques. Initiatiques. Dans la euh, tradition. La... Bon, Là-dedans. À cette époque-là, les degrés spirituels n'étaient pas tellement bien calés à un niveau donné. Ça s'arrête jamais, la recherche de la spiritualité, parce que c'est éternel. Mais c'est des contes où on parle de Kikulu. Vous trouverez l'image de Kikulu, c'est-à-dire de la sociologie, et non du Bukongo. Là, c'est plus la sociologie. Ou si vous voulez, la tradition. La tradition. Voilà. Oiseau, d'accord. Très bien. Donc, c'est le premier livre que j'ai publié. Ah là, c'est le tout premier. Hein. Ouais, c'est le tout premier, je crois c'était en 2000, euh, 2005, je crois, 2005. D'accord, donc chronologiquement... Après, 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 on a eu euh, euh, La Nervure. La ner Nervure. Alors là, par contre, le livre est très intéressant. La Nervure, voilà. Euh, parce que je parle, des, euh, je parle une partie de l'initiation, mm -hmm. hein, surtout sur la, so sur la sorcellerie. Ad euh, sur une sorcellerie ou Kindoki. Attention avec les mots. Ah, je parle bien sorcellerie, hein. Sorcellerie, donc le mauvais, voilà. le mauvais côté et, de, la, de la chose. Et vous allez voir l'évolution de l'être humain en comparant mes écritures. Oui. Pourquoi Ici, si je parle même de Ndoki. en moi de le même piège que vous, sorcellerie. Ah, tu étais à cette époque -là, ah, étais oui, encore oui. dans l'obscurité. Ah, euh, C'est pour vous dire que lorsqu'on ah. veut évoluer, il y a une possibilité. Il y a une possibilité, oui, d'accord. Donc vous et étiez encore. Euh, voilà. Un peu, la, mon, voilà. La mentalité était encore. Euh, mais dans l'obscurité, dans euh... la naïveté, mm -hmm. donc, disons, dans la confusion. Dans l'aliénation Dans l'aliénation, mais il faut dire, faut dire la ensemble. vérité. Voilà. voilà. Ok, et ensuite. Après, il venu... y a eu euh, l'Onde intemporelle. L'Onde intemporelle, qui est un roman. C'est un roman. C'est un roman initiatique. Un roman initiatique. Initiatique. Toujours Ça, dans l'initiation. Ouais, Là, ouais. je crois que. Par exemple, je parle même du prophète Kodim Pouanga Prophète Kodim Pouanga Kodim Tu vois, aujourd'hui, moi, quand j'ai. a réellement cré... existé ou Ah oui, Le, le prophète a existé. Il existait. Ah, d'accord. Par contre, ici, il devient un mage. D'accord. Un mage. Ah, faut parler du mot mage. Vous savez, uh -huh. euh, quand on dit que. Quand, si tu dis aux chrétiens Jésus a été initié, ils vont dire non. Ah oui, généralement. Mais il on vous dirait que. Ben oui, il dirait non, a, non, est non, non, non Il me de façon. De Dieu, euh, si on peut dire, bon, si je dis par exemple, d'un hein, exemple, mm -hmm. que juste par exemple, si on, si on remet Jésus aujourd'hui, je peux dire mm -hmm. que Jésus, il avait reçu des maîtres, par exemple, de la France ou de la rose-croix. Okay. On dirait, ah non, non, non c'est pas vrai, comment non. ça, lui c'est le fils de Dieu. Non, mm -hmm. non, non. D'accord. Quand Jésus est né, on vous dit que les mages l'ont visité. Les trois mages, les rois Les trois mages. Je sais pas, oui, C'est ça, l'histoire de. Et les blancs, les occidentaux ou les écrivains de la Bible. Les plagistes, peut-être, mm -hmm. ont voulu sembler que le monde entier télé sa jeunesse devant Jésus. C'est là où ils vont mettre un noir dedans. Hein? Ils pensent que nous, on est bêtes. Mm -hmm. Mais oh. quand on dit mage, dans la haute magie, on ne dit pas magicien, on dit mage. mage. D'accord. OK. Demandez aux grands initiés, ils vous mm. diront que. C'est vrai, on peut dire magicien, mais dans la grande initiation, on dira un, un mage. mage. Un grand maître en dit mage. Donc là, tu as fait état de. de du, Kodim du qui était un, un mage, grand mage. Qui a est, réellement fait, existé. Qui a existé. Voilà. Mmh, C'est parmi les guides du peuple Congo. Congo. D'accord. Et donc, l'histoire se déroule dans la forêt, une part de la forêt de Mayombe. Il y a une fille qui a été adoptée en France ici, toute petite, et qui va dans la forêt de Mayombe chercher une plante qu'on appelle Mompéchi mmh. pour guérir d'un virus euh, pandémie, dont les gens mouraient. Et voilà, c'est un peu le coronavirus. Tu parlais déjà du virus à cette époque. Là, nous sommes ah, euh, oui. en quelle année la mouta C'était ah, un peu. Je m'en souviens. Un tout petit peu prémonitoire. Vous parlez si de, de, de la date de la publication, peut-être. Oui, on va voir ici le dépôt légal. Le dépôt légal, c'est ouais, est, est est le dépôt légal. En est, est, est est est... 2016. Voilà, en 2016. Oui, nous sommes en 2020, et donc c'était quatre ans avant le coronavirus. Voilà. Et après là, on voit y a, euh, au, à Madagascar, il y a une plante qui Il y a, y a, a une plante qui est... Comme quoi, euh, vous étiez, tu, tu as été touché par un esprit comme oui, ça. oui, non, qui... mais parce qu'en en fait, hein? dire, ouais, dire que Dieu m'a parlé, bon, c'est trop prétentieux, mais j'aime dire que moi, je me pose... pas. Ah, toi, toi, toi Dieu ne te parle pas. Non, 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 non. Parce pas y en Dieu. En... Non, moi, ce sont mes ancêtres qui me parlent, ou c'est d'autres forces, mais pas Dieu. Parce que ouais. Dieu, ce n'est pas un être humain. Ouais. Dieu, ce n'est pas un mec avec une barbe ouais. qui nous regarde. Ouais, non, ouais, non, ouais, non, ouais, non, ouais, non, non, ouais, non. Ouais, ouais. Dieu, c'est une énergie. Mm -hmm. Qui se manifeste, dont une partie de son énergie se manifeste en toi autant que humain, mm -hmm. dans un animal, dans l'eau. Ok, d'accord. Maintenant, les, les écrivains de la Bible, pour vouloir nous mettre la culpabilisation au cou, mm -hmm. ils ont créé un maître qui va nous juger un jour. Mais pourquoi Dieu va nous juger On nous juger, ouais. pourquoi? Parce que mais Dieu ne connaît pas le mal. Mm -hmm. Dieu mm -hmm. ne connaît pas le mal. Mm -hmm. Dieu n'est que bon. Mm -hmm. Or, oh, pour juger quelqu'un, il faut avoir connaissance du mal. Mais Dieu mm -hmm. ne connaît pas le mal. Le mal. Sinon, il n'a pas à attendre la fin du monde. Il aurait jugé oui, nos dictateurs. Voilà. Rapidement. Donc, ouais, ça veut dire que si, si si, Dieu se contente, regarde tout ce qui se passe sur cette terre, donc Dieu était d'accord que Hitler existe. Mm -hmm. ouais, oui, si l'on suit cette logique. Donc, il devient euh, coupable. Oui, 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 oui d'une certaine façon. Le... Parce que c'est lui qui a créé Hitler. On peut le traduire aussi en justice, dans cette logique-là. Voilà. Ah, donc, Dieu n'est pas quelqu'un qui est là à nous juger. Il va nous juger pourquoi Pourquoi oui, justement. L'être humain souffre déjà sur terre et il a déjà subi son <rire> jugement. <rire> justement. Hum? Donc là, c'est l'onde intemporelle. Intemporel. Intemporel. En tout cas, des. Muta Lukaya Zou. Mm. Hein? Nous allons mettre les descriptions, les, les, les liens. Hein? Je vais mettre les liens dans la description pour vous en procurer. Hein? C'est tout est un univers, tout est dans l'initiation. C'est empreint de beaucoup de spiritualité. Mm. Hein? Okay. Donc euh, après... Bouddha, à suivi, pardon. Hein? Tu vois là par exemple, tu lis là Zulukaya. Zulukaya. Regardez ce. Là, tu ah, là on lit Lukaya Zou. Le Zou on passe à Lukaya Zou. Pourquoi cette interview qui mais Parce aux... qu'ici, oui. les choses sont transposées de façon occidentale. En France, le prénom. On commence par le prénom on on et termine ensuite par par le nom. nom. Et là, je me rends compte que c'est une erreur. Donc, tu et commencer par le nom Lukaya voilà. Zou. Voilà, parce que quand tu te présentes, tu commences par, par le, nom, le nom, nom de ta famille. J'appartiens à la famille Lukaya, mais moi, je suis Lukaya Zou. Parce que c'est un lukaya ya masamba, masamba, un lukaya malonga, mm -hmm. un lukaya bukaka. D'accord, d'accord, très bien. Ok, ça c'est compris. Donc mm -hmm. après l'onde intemporelle et donc on a Épine d'automne. Épine d'automne. C'est un roman. C'est un roman. Oui. C'est un roman au en fait. Euh, c'est un événement que j'ai vécu. C'est en 93, euh, pendant la marche qui avait eu lieu, pendant que le sommet est encore au pouvoir, mmh. la marche qui avait eu lieu au centre, au rond-point du centre culturel, culturel français, français. qu'on appelle euh, historiquement rond-point des anciens combattants. Combattons. Nous sommes là en foi. En foi. Voilà. Et donc, On moi, j'avais, donc, donc le massacre, euh, les fusillades qui avaient eu lieu à, ce, à cet endroit-là, moi, j'étais. D'accord. Donc c'est un peu vous... autobiographique. Non, pas ma biographie. C'est-à-dire que je raconte une il histoire un, un vécu. Je ne sais pas comment ça va s'appeler auto-vécu, je ne sais pas comment. Bah, L'homme peut <laughs> te compliqué loin. <ouais>, hein. <laughs> okay. hey, hey. voilà. Donc le personnage, ce personnage principal, va mourir là, en voulant sauver la vie d'une femme mm -hmm. et d'une demoiselle dont il était amoureux à une mm -hmm. époque donnée. Voilà. Et il va recevoir une balle perdue. D'accord, le personnage là. Voilà. Et c'est vrai que ce jour-là, j'avais perdu. Quelqu'un aussi, peut-être pas un ami, mais quelqu'un que je connaissais qui était mort là par les balles de la politique. Ok, ok, d'accord. On peut dire que c'est un roman satirique. Satirique, justement. Avec le drame à l'intérieur. Avec quelques... oui. D'accord, très bien. Donc c'est toujours Zulu Kaya. Hein? Donc euh, et ensuite a suivi euh, a suivi maintenant euh, les, les deux euh, recueils les comptes, comptes, comptes de contes contes un sundi de ma grand mère, grand -mère. voilà euh, est-ce que vous pouvez nous raconter d'abord un sundi hein nous nous dire qu'est-ce que ça soundi, veut dire sundi 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 et toi t'as écrit un sundi mmh. voilà ens. Là, je crois que c'est authentique. N authentique, S oui, N-S-O-I. Soundi. Oui. Non, 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 non. non. Soundi. So On peut regarder le dictionnaire. D'accord, c'était. En fait, c'est comme le province sundi D'accord. Voilà. Après, en fait, c'est les prononciations qui, sont, qui, qui change. changent. Parce que selon que l'on prononce, selon qu'on va écrire. Mm -hmm, ouais. Alors, la langue Soundi, so vous pouvez être entendu par Kinsoundi. Non, ça devient une science. La langue, Sundi. Ça se dit non, qui Sundi, la langue. non Ouais, mais le plus souvent, Sundi. Hein c'est mieux le Sundi. Bon, on, adore, que... on peut dire qui parce que une langue, c'est une science. D'accord. Hein c'est comme qui Congo, qui BMB, qui Lambe. Qui voilà. Kibembe, 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 Kibembe. voilà. Okay. Mais tu peux dire aussi Congo, nest est à Zond. Tu vas Congo, Congo qui est bête. Mm -hmm. Tu vas voir que tu à Congo. kunatukkuna ngipichiatuvakisa nzambi ya mpungu tulendo watuvana kwa mama kamampangalankomabene mvwa e nzila mm -hmm. e kongetuntkuna mbata mongo wa kikulu kuna kumba wa ngudi bon ngetae mm -hmm. <laughs> donc le <laughs> comte sundi mwa je grandi avec ma grand mes grand parent avant no ah, ah, se avantmtograndisetwaten uvillagesemoke mm -hmm. Et même mais... jusqu'à maintenant. Hein, oui, mais pour les là, aveugles, euh, villageois. Mais moi, ça me rend. Il comme... y a même un terme qui a été inventé français, mocatier. Mocatier, ouais, mais c'est euh, pas... a... le complexe de l'Occident. Mm -hmm. Regarde, regarde. regarde, hier, hier, nous, quand on habitait dans des, des maisons à terre cuite. Hein, les Occidentaux se moquaient de nous. de nous. Mais hein? euh, même aujourd'hui, euh, euh, nous, même les bontons, se moquent de pigments, hein? mm -hmm. hein? oui. on se moque des de pygmées. Hein? On voilà. se moque voilà. des pygmées. Aujourd'hui, l'écologie, voilà. voilà. Bon, maintenant, mm -hmm. est-ce qu'un Occidental ou un, les Occidentaux peuvent aller donner des leçons aux de pygmées sur l'écologie Rien. Oui, sur, de... sur la signification du mot écologie. Non, Ça, oui, vous... oui, oui, sur les mais sur, mots. Mais sur, sur la concept. pratique, yeah, yeah, les pygmées sont là-dedans. Ils n'ont aucune leçon à donner aux Et moi, bien que né à la capitale, à Pointe-Noire, mais. Dès trois mois, j'étais à l'académie de mes grands-parents ah, au village. village. Donc j'ai grandi une partie à Mindouli, ceux qui sont du Congo me connaissent, connaissent, une ouais. partie à Misafou. D'accord. Et d'abord, à Misafou, j'ai l'anecdote. Nous des... sommes là dans la région dite du, du Poul. Voilà. Mm -hmm. Et donc j'ai l'anecdote. Non, en plus le mot poule, là, mais poule. ça va, c'est quoi l'origine Ça, oui, ça, ça me paraît un peu bizarre. C'est bizarre quand même. Hein, même hein, poule C'est pas, pas, pas canne, On a quand même les régions Brunza, c'est authentique, voilà. les Koumou. Et puis subitement poule. Il faut, il faut revoir ça, je crois, un jour. Hein? Hein, ce poule-là, c'est... Hiver poule. Hiver poule, l'hiver euh... bon, bon, on, on va, on va y voir y ça. Y voilà. y moi y je crois que c'est un totem en là. C'est je crois que c'est Mpanga là. On connaît tout même Mpanga là. Surtout ouais. c'est la seule et aussi les régions Cuvette euh, vêtent... Ça n'a pas de sens Cuvette Plate, l'ouest. Plateau. Non, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça revoir ça de de faire aussi. Ça ça hein. revoir Parce qu'on a change. parlé les... des prénoms. Voilà. Étrangers, ou katou, chrétiens. Voilà. Mais alors, le, 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 les noms de nos contrées mais de regarde, nos même localités quand prends, même quand tu prends nos présidents. Le seul ah. que j'aime c'est Mobutu. Mobutu Kukuwendo wa Zabanga. C'est c'est Zabanga. system yeah. ya kuizanguka yeah.